Pierre-Yves pour cette présentation. Cool. Bah merci. Donc aujourd'hui, on va parler d'I-18N. Et on va commencer par un pondu. Celui-là, il est facile. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire I-18N? Super. Donc, je n'ai pas du coup à refaire mon pendu, j'ai gagné du temps. Ce qui est chiant sur Keynote. Donc ouais, aujourd'hui, on va parler d'internationalisation. Comme c'est chiant à dire et à écrire, généralement c'est I-18N, parce qu'il y a juste 18 lettres entre le I et le N, enfin le dernier N et le premier I. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre-Yves, dev Android, mais même Android la nuit, iOS le jour à Orange, mais au pays des chocolatines. Voilà. Personne n'est parfait. Et si vous voulez m'entendre râler, bah, j'ai mon handle Twitter qui est juste là. Je râle beaucoup en ce moment, je précise. Et aujourd'hui, on va parler d'internationaliser son app, mais ça peut être en fait n'importe quel soft de manière générale. Mais comme bah, j'ai un bagage Android et iOS, je vais mettre des samples Android et iOS, des screenshots Android et iOS, mais finalement, c'est des trucs à extraire vraiment partout, que ce soit client lourd, web app, tout ce qu'on veut, quoi. Donc ça se passait comme ça. Je vais prendre un cas d'usage, parce que c'est des captures d'écran, des images qui vont sortir un peu partout. Ensuite, on va parler interface, iconographie, langue, et sur la forme, un petit peu d'archi. Donc le cas d'usage que je vais prendre, c'est une app qu'on a du côté d'Orange. Ça s'appelle MyOrange, c'est l'équivalent d'Orange et moi, enfin de votre app d'opérateur, mais qui est plutôt à destination des pays d'Afrique, d'Asie, de Moyen-Orient et d'Europe de l'Est. Donc en fait, partout où est Orange, sauf la France. Et cette app-là, elle permet aux personnes de suivre leur conso, de faire du rechargement de crédit, du transfert d'argent, de l'assistance, du dépannage, des bons plans. Enfin, c'est vraiment l'interface entre le client et l'opérateur. Et elle a le bon goût, comme j'ai dit, d'être sur trois continents, d'être sur des pays qui ont en cumulé au moins 7 langues officielles, donc du russe, du roumain, français, anglais, de l'arabe, et les deux autres, je ne me souviens jamais, sur 14 pays. Donc ça a brassé de la Slovaquie, la Moldavie, Maroc, Tunisie, Jordanie, on peut descendre jusqu'au Madagascar, le Botswana, et le tout avec une quarantaine de features, dont certaines sont plus anecdotiques, d'autres sont plus conséquentes. Donc ça, c'est le cas d'usage. Et finalement, la question qu'on peut se poser, mais un peu partout pour n'importe quel soft, c'est quand on a une app qui est dispo à l'étranger, où on a des diversités culturelles qui sont assez riches et assez importantes, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte dans ce logiciel sans passer un peu pour des blaireaux, quoi. Parce que vous allez le voir, implicitement, on a des biais. Et si on ne fait pas attention à certaines choses, on risque de lancer son app à l'étranger, de se gameler parce qu'elle ne va pas du tout susciter l'adhésion des utilisateurs. Donc du coup, pour parler des interfaces, la première chose à faire, ça revient à être du bon sens, mais quand on ne fait pas attention, on peut se faire avoir, c'est de découper, ça va être de découper ces IHM en un maximum de fragments, d'atomes, pour qu'on puisse les configurer facilement, les réutiliser partout facilement, et qu'elles soient le plus simples possible. C'est-à-dire que si je prends une app, plutôt que côté Android d'avoir ma UI Table View, ou côté Android, iOS, pardon, et côté Android d'avoir ma List View, et de tout définir tous les layouts à la main avec tous mes éléments, de tout configurer en une seule fois, ce qu'on aurait tendance à faire quand on ne veut pas lancer notre app, sur plusieurs pays ou pour des gains de temps, il va vraiment falloir penser de façon modulaire. C'est-à-dire que plutôt que de tout coder, je vais devoir définir mes composants de manière atomique. Donc, par exemple, je vais faire un tableau, des cellules. Ces cellules vont avoir leur identité, leur configuration qui leur seront propres. Et ce qui fait qu'on va pouvoir facilement les réutiliser, les configurer ou les adapter selon les apps. Ça va être surtout valable quand on a vraiment un produit qui est sur différents pays, avec des usages différents. Quand c'est les mêmes usages, c'est peut-être moins vrai. Mais en pensant modulaire dès le début, on va se faciliter la vie. Alors, côté iOS, finalement, on va arrêter les storyboards. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu le pendant en mieux du NavGraph Android. Sauf que le NavGraph a le bon goût d'avoir un code XML lisible. Le storyboard, c'est juste abominable. Grosso modo, c'est l'enchaînement des différentes vues d'une app
avec les relations entre les vues, les passages d'arguments. Donc ça, on va arrêter d'en faire parce que c'est riche, c'est lourd, c'est pénible à maintenir. C'est pas du tout modulaire. Donc on va tout fragmenter. On va prendre les éléments de l'API standard, les table view, les scroll view, les choses comme ça, et on va essayer de les dériver un maximum pour les adapter à nos besoins. Et on va faire du positionnement des éléments graphiques par contrainte. Donc si dans vos apps, si vous n'avez pas encore utilisé d'auto-layout à iOS, Constraint Layout Android ou l'équivalent web, je ne sais jamais ce que c'est, Flexbox je crois, ouais, les Flexbox, bah, c'est vraiment le moment, quoi. On va arrêter de tout mettre en dur avec, ou alors de mettre juste des contraintes sur les margins et les paddings, juste de définir les margins et les paddings, parce que si on ne met pas les contraintes entre les éléments, on risque d'avoir des gags dans certains cas, qu'on va voir par la suite. Et côté Android, bon, bah, finalement, on va éviter les activities de 3 km de long, même si on est en Kotlin. Des fragments partout, des layouts qu'on va essayer de réduire un maximum, et des constraints layouts. Donc en soi, il n'y a rien de révolutionnaire dans ce que je dis, mais ça force à éviter d'avoir des interfaces vraiment lourdes, parce que ça peut être compliqué par la suite. Notamment à cause de ça. Là, par exemple, dans les apps Android, on est habitué, ici par exemple en France ou même en Europe, en Occident, d'avoir des interfaces en left to right, donc avec un sens de lecture de gauche à droite. Et en soi, on est habitué à ça, mais quand il faut penser par exemple à des pays arabes qui ont un sens de lecture de la droite vers la gauche, ou même à Israël, où l'hébreu se lit de la droite à la gauche aussi, si je ne me trompe pas, si on a tout codé en dur, si on n'a pas mis de relation par contrainte, entre les éléments, ça risque d'être en fait une vraie pagaille quand machinalement l'app va se repositionner. On peut se retrouver avec des apps qui sont assez illisibles, et sauf que du coup, vos utilisateurs qui sont dans des pays d'Orient vont se dire « Non mais c'est quoi cette interface qui est juste dégueulasse en fait ?» Et donc quand on passe en mode left to right, ce n'est pas une bête question de miroir, c'est plus subtil que ça. Et il va falloir faire attention à différentes choses, que ce soit les animations, que ce soit les éléments de navigation ou les gestes que vous faites sur vos apps. Donc, par exemple, en élément de navigation, vous pouvez voir sur le téléphone de gauche, en bas à droite, une flèche Next qui indique la page suivante. Cette flèche-là, il va falloir effectivement la retourner en mode right to left. Cet écran qui fait office de tutoriel, la première page est à gauche et dans l'autre mode, elle va être à droite. Il faut aussi penser à l'interface, à l'indicateur qui va indiquer la page en cours. Si je fais un swipe de la droite vers la gauche pour défiler dans le sens de lecture occidentale, le swipe va se faire dans l'autre sens, côté mode oriental, si je puis dire. Et ça, c'est pas la gestion des gestures, elle n'est pas du tout automatique. Il va falloir aussi la prendre en compte par moment. Et donc, dans certains cas, on peut se dire, mode right to left, je retourne toutes les icônes et puis je suis tranquille. Non, parce qu'on peut avoir de la perte d'information. Par exemple, dans cet écran-là, si je prends toutes les tuiles, sauf la première, elles ne sont pas retournées dans le mode, par but de langage, on va dire oriental. Par contre, la première, elle est retournée. Parce que dans le sens de lecture, cette tuile-ci, qui est une tuile de facturation, le designer a décidé, je vais faire je vais schématiser une pile de factures. Et donc, dans le sens de lecture, on va avoir les factures les plus en bas de la pile qui vont arriver vers la gauche. Mais comme mon sens de lecture est inversé en mode right to left, il va falloir que j'inverse l'icône. Sinon, ça ne va pas avoir, le même cheminement visuel, en quelque sorte. Dans d'autres cas, si, avec cette image, j'ai une main droite qui touche mon téléphone, si je la retourne, je peux me retrouver parfois avec une main gauche qui appuie. Ou alors une main un peu bizarre. Ce qui fait que, sémantiquement, on risque de perdre un peu d'infos. Sans parler du fait que dans certaines cultures, la main gauche, c'est tabou. Exactement, et ça, on va y venir, justement. C'est... Pardon. Là, on peut se dire, c'est une main droite, c'est une main gauche, il n'y a aucun problème, parce qu'on est droitier, on est gaucher, on n'est plus dans les années 60, où les gauchers, c'était pas bien, fait à tout prix des droitiers. Mais dans certaines cultures, il n'y a pas du tout la même perception de l'usage de nos mains. Donc, on ne va pas s'amuser à
tourner les images parce que ça risque un peu de coincer. Donc là, je vais faire, par exemple, j'ai deux vidéos. Une en mode LTR, une en mode RTL que je vais lancer. Donc là, c'est la même app avec les deux modes. Ici, si on ne fait pas attention, donc en haut, j'ai un carrousel d'images. Là, le souci, c'est que le sens de défilement pour le mode right to left, il n'avait pas été implémenté. Il avait été laissé tel quel en mode LTR. Ce qui fait que la personne va défiler avec la bonne gesture les tuiles, donc en faisant une gesture de la gauche vers la droite, mais l'animation va être jouée dans l'autre sens. Ce qui, d'un point de vue X, c'est un peu pourri en fait. Là, c'est assez perturbant pour la personne. Vous faites un geste, quelque chose s'ouvre ou bouge de l'autre côté. Ça peut être justement des pièges. Il faut aussi penser au menu. Si je les relance en mode RTL, qui est une belle valise d'ailleurs, les menus sont sur la droite. Et si on a une gesture pour ouvrir un menu, surtout si c'est un menu exotique, un peu dans ce cas-là, il faut que la gesture soit implémentée dans le bon sens et que le menu s'ouvre aussi dans le bon sens. Sinon, on peut se retrouver avec des choses assez cocasses où en fait, il faut faire une gesture dans un sens, ça s'ouvre dans l'autre, et ça peut être vraiment perturbant pour l'utilisateur. Donc les animations sont assez piégeuses. Alors côté iOS, ouf, on est en 2020, donc les IDE ne sont pas trop débiles, quoique parfois ils peuvent nous surprendre. Grosso modo, contrainte, auto-layout, et on a un petit peu de config à faire pour dire, par rapport à tes contraintes, tu respectes la direction du langage, pardon, ce qui fait que les composants vont se placer relativement simplement. Ce qui est chouette, c'est qu'avec Xcode 11, pardon, on peut enfin localiser les images. Avant, on ne pouvait pas, mais c'est-à-dire que si vous avez une image avec un texte, par exemple, une image quelconque avec un texte, ce texte-là, vous l'affichez en français, vous l'affichez en anglais, vous l'affichez en arabe, en russe, ce que vous voulez, vous allez faire différentes images. Sauf que vous allez dire, oui, mais non, je vais regarder la langue, si c'est telle langue, je vais charger telle image ou pas. Avec Xcode 11, on peut dire, j'ai un set d'images, je dis que celle-ci, automatiquement, c'est pour telle langue, et en soi, c'est le système qui va gérer la bonne image. On a moins de code à faire. Et truc bête, mais pourtant qui simplifie la vie, c'est qu'on peut enfin retourner les images d'un point de vue API standard. Avant, il fallait le faire soi-même, ce qui pouvait être un peu pénible. Là, en deux lignes de code, on peut dire, cette image-là, je la retourne. Côté Android, un petit flag à ajouter dans le manifeste, support RTL, pour dire, l'app prend en charge le mode right to left. Et aussi, alors c'est vieux, mais si on a encore du code avec des left et des right qui traînent, l'échanger un petit peu. Donc par exemple, dans les attributs, on va arrêter les padding left, on va mettre des padding start, on va arrêter les margin right, on va mettre des margin end. Ouais. Et on va décliner aussi tous ces layouts avec par exemple un layout spécial right to left, un layout spécial left to right. Bon, en soi, Android Studio a le bon goût de faciliter les choses, quoi. Je me pose la question du côté de Flutter, comment c'est géré ? Ça, je ne sais pas du tout. Alors, qu'est-ce que c'est Flutter ? Je ne sais pas. Et ce qui est sympa aussi, c'est si dans vos images, vous avez encore que des images style PNG, des images binaires, un argument pour passer au vectoriel, c'est celui-là. Donc là, c'est un code que j'ai vraiment simplifié d'image, je ne sais même plus c'est quoi, qui va dessiner quelque chose. Et si vous ajoutez le flag auto-mirrored à true, si jamais on passe en mode right to left, l'image va s'inverser d'elle-même. Voilà, donc on a vraiment quelque chose de propre là-dessus. Un cas d'usage, le premier téléphone de gauche, c'est le mode de classique, on va dire par but de langage français. Le téléphone du milieu, c'est en mode oriental avec le fameux flag que j'ai mis. Dans les deux cas, on voit notre mouton, ici, qui regarde l'intérieur de l'app et qui regarde le texte. Donc finalement, ça reste raccord si je change de mode. Mais dans le dernier cas, je n'ai pas mis le flag dans mon code XML, ce qui fait que mon interface est retournée, mais le mouton ne regarde plus au même endroit. Il regarde vers l'extérieur de l'app. En soi,
c'est qu'un élément décoratif, donc c'est pas dramatique. Mais pour certaines icônes, ça peut être problématique, on peut perdre du sens. Donc quand c'est des icônes symétriques, style des étoiles ou des ballons, ça, on s'en fiche un peu. Est-ce que ça, pour l'instant? Alors maintenant, on va parler d'iconographie. Tout à l'heure, je disais que quand on met une app, quand on internationalise une app, quand on prend en charge une autre langue, une autre culture ou autre, il faut susciter l'adhésion des utilisateurs. Et notamment le fait qu'on peut avoir des biais nous-mêmes. Donc là, d'ailleurs, dans la salle, on a tous une peau blanche. On est tous des mecs et il y a pas mal de barbus. Mais dans notre app, on ne va pas mettre que des hommes blancs barbus. Et selon les pays, ça peut avoir le coup de changer certaines icônes. Là, par exemple, j'ai une icône en bas, un jeu d'icônes, pardon, en bas avec une peau claire, qui peut être, par exemple, destiné à un pays d'Europe de l'Est. Mais pour un pays d'Afrique, je vais adapter un peu ces icônes pour mettre des icônes avec une peau foncée. Ce qui suscite justement un peu plus d'adhésion, les personnes vont se retrouver davantage dans l'app. On peut aussi travailler sur les morphologies ou sur les coiffures. Ce qui fait qu'on va avoir des personas différents et qui vont donner une cohérence à l'app et qui vont faire en sorte à ce que les personnes ce n'est pas de frein à l'utilisation ou un peu de blocage ou de tiens, ça change un peu. En France, en soi, on n'a pas le problème, mais dans certains pays où il y a certaines formes de racisme ou de blocage, avoir quelqu'un qui a une peau, qui a la peau noire ou qui n'a pas la même couleur de peau que celle de la population majoritaire, c'est un frein. Alors, il y a eu un tollé il y a quelques mois. C'était sur un film d'animation qui était diffusé dans un pays d'Orient où c'était une grenouille qui était transformée en princesse, une princesse à la peau noire. Le personnage avait dit à son homologue homme typé plus oriental, « Regarde comme je suis vilaine », en référence à la couleur de peau. En France, ça fait un tollé. Ça passera pas, ça fera un tollé. Dans certains pays, non, c'est considéré comme acceptable. Donc, ou alors, c'est justement, oui, non, ça ne correspond pas aux standards. Donc, il faut parfois faire attention à ça, parce que ça peut engendrer des crispations, quoi. Dans le même cas ici, on va avoir une personne qui va transférer de l'argent à une autre, donc on va mettre deux mains, deux variations de peau différentes. Ce n'est pas spécialement l'idée du siècle de mettre une main blanche qui a donné de l'argent à une main noire. En soi, moi personnellement, je m'en fiche totalement, faut arrêter un peu les conneries, mais ça peut provoquer des gènes, les personnes peuvent voir ça à un côté encore un peu colonialiste, ou truc bête, si c'est, on va prendre le cliché, d'un commercial homme qui va donner quelque chose à une RH femme, ça va coincer un peu. Imaginez tout un tas de scénarios où vous changez juste le genre ou la couleur de peau, ça peut engendrer des crispations en fonction des valeurs de chacun. Et ça, faut y penser. Alors, l'autre chose, je n'ai pas réussi à faire des captures d'écran de meilleure qualité, c'est que quand on parle d'iconographie, pour ne pas heurter, pour adhérer, il faut faire attention aussi aux convictions religieuses. Donc cet extrait-là, à gauche, qui est vraiment, vraiment pixelisé, c'est affreux, c'est mieux sur mon Mac d'ailleurs. C'est un extrait d'un site qui s'appelle Code to Inspire, qui revendique de mettre en place une école de programmation pour les femmes en Afghanistan. Il y a un avatar pour un service de chat, qui est un avatar féminin. Donc on va reprendre la couleur de peau plus bronzée, je ne sais pas si c'est le bon terme. Par contre, l'avatar féminin va avoir le voile, parce que ça correspond aux critères du pays, ça correspond au fait que la religion musulmane est importante dans le pays et donc on va faire en sorte à ce que l'avatar adhère au mieux à ces sortes de standards-là. Nous, quand on code l'app, on peut pas, ou quand le designer fait ses icônes, on peut ne pas y penser tout bêtement, mais on n'a pas tous justement les mêmes valeurs ou les mêmes convictions. Alors, on va refaire un pendu. Alors, le Z. Non. Le E, il était déjà.
Le R. Non plus. Assez. Alors, attends. Tu veux Attends, compter mais. l'indice? Laissez, ouais, et Azerty, t'as mis un T. Accessibilité. Ouais. Trop fort. Alors, mais ouais, révélation. Tu auras le dernier. Alors, pourquoi est-ce que je parle d'accessibilité alors que je parle d'internationalisation? Déjà, parce que je kiffe les acronymes. Et aussi, pour la sémantique des icônes. Putain, les virus chinois est arrivé ou quoi? Ici, on a, je pense, sans trop me tromper, qu'on a tous le bac. Peut-être pas encore. Qu'on a des études à peu près, peut-être bac plus 3, bac plus 2, plus 3, plus 5. Bref, on peut dire un niveau d'études élevé. Ce qui n'est pas le cas de tous les pays. Par exemple, dans certaines régions d'Afrique, la scolarisation des gamins, elle n'est pas du tout prioritaire. Ce n'est pas du tout leurs inquiétudes et elle n'est pas obligatoire. Ce qui fait que parfois, des personnes peuvent avoir des difficultés à lire. C'est con, mais ça arrive. Donc, si dans une app, vous avez beaucoup de textes, comment dire, l'impact qu'elle aura sera moindre. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir des icônes à côté qui vont en plus apporter du sens. Ce n'est vraiment pas quelque chose de purement esthétique ou décoratif. C'est-à-dire que pour une fonctionnalité de, je sais pas, de partage de forfait avec les membres de ma famille, la première icône va susciter, par exemple, l'aspect famille et communauté. Je ne suis pas du tout graphiste, ce n'est pas moi qui fais ça. Donc, bon. Si vous avez une fonctionnalité qui va traiter un programme de fidélité ou de récompense, par exemple, mettre un cadeau, une boutique en ligne, mettre des sacs Kaba, des choses comme ça. En faisant ça, vous prenez en compte que dans les pays où vous allez déployer votre app, il n'y a pas les mêmes niveaux d'éducation, les mêmes niveaux d'alphabétisation pour différentes raisons, et les usages vont être quand même facilités. Bon, il y a aussi la couleur parce que personnellement, je trouve ça rigolo. Là, on part vraiment sur quelque chose de subjectif, mais parfois, des couleurs n'ont pas la même signification aussi. Donc, si vous avez un personnage avec une robe ou un habit, bah, si c'est un habit blanc ou un habit noir, par exemple, le blanc, on pense plus mariage, pureté, ça peut être aussi le deuil dans certains pays, ou ça peut être le jaune. On peut avoir des choses, des couleurs plus agressives. Rouge, on va penser danger, les alertes sont rouges par exemple, alors que non, ça peut être quelque chose de plus joyeux. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme truc? Ouais. C'est différents cas comme ça qui font que, bon, les au niveau des graphistes, parfois, faut être un petit peu prudent. Un dernier pendu. Toi, t'as plus le droit de jouer. Ouais. Ah, attends. Ouais, mais c'est juste un O avec une canne. Ouais. Localisation. Ouais. Ça va, c'est Ah, c'est un L. Yophiliser. Bien sûr. Donc, comment bien yophiliser son app? On va mettre littéralement de la poudre aux yeux. Ouais. Alors, on va parler du coup des langues. Et notamment de l'affichage des textes. Là, par exemple, si vous lisez ma diapo, bon, je viens de le dire, donc vous imaginez que derrière, c'est affichage du texte. Parfois, vous allez avoir pour, par exemple, une même fonctionnalité ou une même phrase d'un point de vue sémantique, des traductions qui vont être beaucoup plus longues les unes que les autres. Là, les traductions arabes. À droite, c'était les traductions anglaises, donc c'est exactement le même code, mais on va avoir des phrases sur deux lignes. Si vous prenez une phrase en allemand, on va commencer à avoir des mots de 3 km aussi. Ce qui fait que si on ne fait pas attention à comment on code ces selles, comment on code ces fragments, on va avoir du texte qui est croppé. C'est bête, mais si on ne fait pas l'essai, bah, la personne va lire quelque chose et elle va se dire, ouais, mais il y a quoi qui est en dessous, quoi, ma phrase n'est pas complète. Donc par exemple, côté iOS, on va privilégier ce qu'on appelle les alignements naturels, donc on va arrêter de justifier à gauche, à droite ou de centrer. On va aussi être vigilant au saut de ligne. Et on est sympa aussi pour les personnes qui ont des problèmes de vue, on va activer les Dynamic Type,
qui vont s'occuper de la fonte lorsque les personnes vont vouloir grossir. Et côté Android, bon, ça reste classique, c'est des questions de text alignment et text direction pour centrer ou aligner le texte. Truc important aussi, c'est prendre en compte les langues officielles, voire les langues régionales. Si je prends l'exemple de la Moldavie, il y a deux langues officielles dans la Moldavie. Il y a le roumain et le russe. Ce n'est pas spécialement l'idée du siècle d'oublier une langue officielle. Par exemple, je crois qu'en Ukraine, ils parlent ukrainien. Ouais. C'est peut-être pas la meilleure idée de mettre une app qu'en russe en ce moment, en Ukraine, par exemple. Enfin, c'est un tas de choses comme ça qui font que quand il y a plusieurs langues officielles, c'est bien de les prendre en charge, et aussi quand il y a des langues régionales. Il me semble que c'est en Chine, si je ne me trompe pas, il y a le mandarin en langue nationale, mais selon les différentes régions de la Chine, on peut avoir des langues plus régionales ou des dialectes. Et des personnes ne peuvent parler que ces dialectes. Alors si vous n'avez pas pris en charge la langue autant que possible, ça peut pareil susciter des freins ou faire en sorte à ce qu'il y ait moins d'adhésion. Et important aussi, c'est d'avoir les feedbacks des utilisateurs ou alors d'avoir quelqu'un qui parle la langue pour pouvoir faire la traduction. Sinon, on arrive à des trucs comme ça. Donc là, c'était les captures d'écran d'une app que j'avais faite et bon, qui date de 2016, donc Google Translate s'est sûrement amélioré depuis. Et je me suis dit, j'ai confiance en Google Translate, je fais la traduction en russe et en italien. J'ai fait la mise à jour, je me suis fait pourrir. J'ai pas arrêté d'avoir des notifications de 1 à 2 étoiles parce que la traduction était foireuse. Donc coup de bol, mon app est open source, donc j'ai vu des mails et des merge requests arriver. J'ai cool, donc du coup j'avais pu apporter d'autres traductions. Mais ce qui fait que les gens aiment bien râler, les gens aiment bien dire qu'ils sont pas contents. Ils ont souvent des choses pour ne pas être contents. Donc en termes de traduction, il faut parfois faire attention. C'est une traduction malheureuse ou mauvaise, faut éviter. Autant ne pas en mettre du tout, quoi. Alors, là j'ai une date. À votre avis, c'est la date de quel jour ? Ouais. Là en l'occurrence, moi j'ai écrit 7 janvier. Je ne sais pas quelle date, donc j'ai pris la date du premier bloc Bitcoin parce que je trouvais que c'était rigolo. Mais ça peut être aussi le 1er juillet. Eh oui, donc au niveau des dates, là aussi c'est tout bête, mais si on peut éviter d'avoir des back-ends qui recrachent tous les textes ou toutes les dates en lui demandant la langue, c'est mieux. Le mieux, c'est d'avoir par exemple la timestamp qu'on va traiter derrière, et en fonction de la locale du téléphone, on va pouvoir finalement le parser. Parce que les dates n'ont pas les mêmes formats selon les pays. Donc ça, il faut y penser aussi. Bon, côté Android et côté iOS, il n'y a pas spécialement de subtilité. C'est toujours la même chose. Local, date. Et on récupère finalement la valeur. Qui peut être aussi de taille plus ou moins importante. Avec aussi, bah, par exemple, des chiffres et des lettres qui font qu'on doit faire attention à l'encodage. Je suis nostalgique du franc. Pareil, l'autre cas, du coup, c'est quoi, là ? Ça peut être 6,560 ou 6560. Et là, du coup, c'est la même chose. En France, généralement, les dizaines, centaines et milliers, on doit les séparer par des espaces, surtout quand c'est du texte, et les décimales avec des virgules. En Angleterre, non, on ne met pas d'espace, on met des virgules, on ne met pas de virgule, on met des points. Pour l'Espagne, l'espagnol, j'avais fait des tests, sensiblement, c'est l'inverse. Et pour l'hébreu, bon, on colle tout, on met juste un point. Donc, en soi, on peut se faire trouver, mais ça peut être juste des choses bêtes. Si on ne fait pas attention et qu'on inverse, bah, on peut perdre du sens aussi, quoi. Dernier point. le dernier point aussi avec les langues, c'est la gestion des pluriels. En français, on est plutôt bien loti parce qu'une pomme, deux pommes, un cheval, deux chevaux. Bon. Mais dans certains cas, notamment le polonais, que j'ai récupéré de Ray von der Lisch, qui est une langue rigote à apprendre, mais il vaut mieux s'accrocher. Si j'ai un élément, peu d'éléments, beaucoup d'éléments, ou dans les autres cas, mon mot ne va pas se terminer du tout de la même façon. Ce serait pas drôle sinon. Et honnêtement, je me souviens plus ce que j'ai regardé. Ah, il me semble que c'est peut-être. Bah, quand c'est.
Je dirais par élimination, c'est pas peu, c'est pas beaucoup. Donc c'est quand t'as 2, 3, 4, 5, 6. Genre j'ai mangé 3 pommes, j'ai mangé beaucoup de pommes, j'ai mangé peu de pommes. Là, c'est une bonne question. En polonais, je pourrais plus le dire. J'en ai fait un peu. Faut s'accrocher. Mais ça peut être ça, ouais. Donc, par exemple, là, dans ce code Xcode, si on a par exemple une phrase du style vous avez vendu X app en temps de mois, pour le polonais, la phrase de base, ce serait Przedziałeś aplikacji. Par contre, si c'est un mois, ce serait miesiąc, peu de mois, miesiące, beaucoup de mois, miesiące, et dans les autres cas, miesiąca. Donc en soi, à l'oral, ça ne choque pas trop, mais je parle polonais comme une vache à l'espagnol. Et par contre, à l'écrit, ça change un peu. Bon, côté Android, bah, finalement, on a la même chose, sauf que bah, on tape dans l'XML. Donc là, par exemple, pour l'anglais, bon, bah, on n'est pas embêté, quoi. Mais il faut savoir y penser parfois. Ça va? Puis enfin, le dernier point, qui casse pas des briques non plus, mais si on veut décliner son app dans différents pays, on veut avoir des fonctionnalités vraiment différentes, il va falloir faire attention à comment on conçoit son projet, notamment de la config partout. Vraiment faire de la configuration as code. On va arrêter les variables en dur, on va tout mettre dans des fichiers de config. Là, dans notre cas, c'est si on a des backends différents, si on a des analytics différents, si on a des clés différentes. Plutôt que d'avoir un fichier qui va lister, je sais pas, mes 15 clés d'API pour 15 pays. Non, je vais faire 15 fichiers de config, un par pays. Et on va bah, séparer la configuration, les versionner, de sorte à charger vraiment les bons éléments de config en fonction. Par exemple, des produits. Donc, on va passer par les schemes et Xcode, ou alors côté Gradle, bah, jouer avec les flavors ou les variants, par exemple. Ça nous permet que déjà, on va vraiment découpler la partie config de l'app, surtout si c'est que de la custo ou que des trucs esthétiques. Pareil, on peut se retrouver dans des cas où, dans certains pays, on a un ensemble de fonctionnalités qui sont différentes dans d'autres. Bah, d'un point de vue génie logiciel, on va encore plus séparer les choses. Donc, faire par exemple des fondations qui vont gérer la partie bah, utilitaire, persistance, log, affichage, traitement des données. Par contre, les fonctionnalités, on va essayer vraiment de les sortir un maximum, ce qui fait déjà du code plus facilement testable, plus facilement maintenable. Et si on se dit, bah, tiens, ce truc-là, je veux le mettre dans tel pays, ou tiens, je veux le retirer, on aura moins de code à casser en fait. Bon, en soi, c'est des concepts de génie logiciel assez simples. Il y a du solide, il y a du dry. Il y a du kiss, enfin bon. Et enfin, tout ça, on peut le packager d'un côté et sortir tout ce qui est vraiment propre au pays, que ce soit les configs, les éléments de langage, les ressources graphiques, les sortir vraiment du projet, quitte à faire des dépôts séparés, par exemple. Je sais que du côté de MyOrange, on a un dépôt qui va faire vraiment la valeur de l'app. On va faire autant de dépôts que de pays. Par contre, les éléments de configuration, on va les mettre dans ces dépôts qui sont dédiés. Ce qui fait que, qu'on doit changer de la config, qu'on doit changer des assets, on n'a pas trop à faire trop de configuration. Avec une architecture comme ça, on peut facilement apporter des évolutions. On s'est retrouvé par exemple dans des cas où on avait un pays qui avait un service, on a fait la tambouille pour lui, d'autres pays voulaient le même service, bah, en une heure pour chaque pays, on avait réussi à intégrer la fonctionnalité qu'il voulait, quoi. Parce qu'on a réussi à découpler le code. Quand on internationalise un projet, bah, on se rend compte que finalement, ce n'est pas qu'une question que de couleur de peau ou que d'image. Si on sépare vraiment les parties métiers ou la logique de notre code, si pour ajouter des choses vraiment spécifiques, on va pouvoir s'y retrouver avec un peu moins de douleur. Bon, après, c'est le moment placement de produit. Quand c'est juste une app qui se décline dans plusieurs pays, avec les mêmes fonctionnalités, bon, en soi, il n'y a pas de problème. Quand on commence à varier le scope de fonctionnalités selon les pays, on va essayer de simplifier la vie un maximum avec énormément d'automatisation, Fastlane, CocoaPod, du Gradle, du Ruby, de sorte à ce que tous les trucs rébarbatifs et chiants, du style je génère le wording, je vérifie les fichiers de config, je déplace mes fichiers de config, qu'on le fasse de manière automatique, sans perdre de temps. C'est pour ça que maintenant, dans certains cas, quand on doit rajouter des fonctionnalités dans notre app, on a
tellement automatisé de choses que on se comporte, on change juste des fichiers de config, on lance un build, toute notre embrouille est faite et l'app est prête à être packagée. Et aussi, bon, après, finalement, ça c'était pour simplifier les choses. Si on a un Slack ou un Mattermost avec plusieurs pays, plusieurs cibles différentes, se faire autant de chaînes que de pays, câbler les GitLab dessus, câbler les stories Jira sur les pipelines GitLab, pour faire en sorte à ce que finalement, dès qu'il y a un problème dans un pays, on soit notifié et on puisse réagir rapidement. Voilà, donc là, c'était vraiment de l'outillage tout bête. Donc du coup, là, je vous ai montré que internationaliser, ce n'est pas qu'un taf de graphiste, ce n'est pas qu'un taf de développeur et ce n'est pas non plus qu'un taf de UI ou UX designer. Parce qu'on y a tout à prendre en compte, les animations, le texte, tout ça, la localisation, même l'accessibilité. Et après, il faut savoir aussi s'outiller pour ne pas perdre trop de temps à corriger des problèmes. Et surtout, plus important, c'est ça, c'est si on veut faire son app dans son coin ou si on veut, si on n'a pas trop d'expérience, c'est faire gaffe à ça parce qu'on n'est pas tous des Français blancs, athées, anglophones, en bonne santé, avec un haut niveau d'éducation, de la 4G partout sur le dernier iPhone qui a 4 Go de RAM ou 8. Dans certains pays, il n'y a pas de 4G. Donc, on va arrêter de charger les images du réseau à chaque run. On va par exemple, qu'on va builder l'app, charger les images qu'on va bien, les mettre dans un cache, ça de manière automatisée, parce que sinon, ça va faire des images qui vont être longues à charger sur l'app, et les utilisateurs vont se dire, mais c'est quoi cette app qui rame ? Pire encore, nous dans notre cas, en Afrique, enfin dans certains pays, pas qu'en Afrique d'ailleurs, il n'y a pas de forfait illimité. C'est des forfaits data, des forfaits voix, des forfaits internet. Donc, les gens qui voient à chaque fois leur app qui va être téléchargée d'internet tout, en permanence, ça va consommer de la data et ils vont râler. Et à leur juste titre, en fait. Moi, je me souviens à l'époque des forfaits bloqués, on avait je ne sais pas combien de mégas par mois. Dès qu'on allait sur des sites et qu'il y avait des images qui arrivaient, c'était juste abominable, on cramait tout. Donc, il faut prendre ça en compte. Il faut prendre en compte aussi le parc d'appareils. Par exemple, côté iOS, on a un parc qui est beaucoup plus petit en termes de nombre d'appareils que côté Android, par exemple à Madagascar. Parce que les personnes n'ont pas les mêmes besoins, n'ont pas les mêmes revenus. On peut avoir un téléphone Android à 200 balles qui fait le job, peu importe les problèmes que ça suscite, on ne va pas se payer un iPhone à 800 balles. Voilà. La bonne santé, ça va être par exemple... pourquoi est-ce que j'ai mis ça ? C'est la nouvelle année. Oui, exactement. Bah si, voilà, c'est... non, je ne sais plus, en fait. ouais, voilà, merci. C'est par exemple sur tout ce qui est accessibilité. Faire attention, faire toutes ces images, faire attention à l'affichage du texte. Attention à l'alphabétisation. Attention aux convictions religieuses pour ne pas heurter. À la langue aussi. Se dire, ah bah tiens, je vais faire une app en français et en anglais. C'est sympa, mais à un moment, vous allez vous prendre un scud avec une étoile sur le store parce que la langue n'est pas prise en charge, quoi. Ça arrive et c'est pas agréable. Donc ça, c'est un ensemble de choses à prendre en compte et inconsciemment, on n'y fait pas attention. Moi, le premier, je me suis fait avoir plusieurs fois, j'ai compris, d'accord. Et c'est quand on est confronté à tout ça qu'on se dit, ah bah oui, bah effectivement, il y a des choses à ne pas oublier, quoi. Voilà. Gracias. Zenkuye Barzo. Voilà. À peu près. Voilà. Et là, par exemple, si j'avais pas mis Gracias, tu aurais été incapable de me dire. Bah, tu aurais pu deviner, alors, soit que je parlais de bière, soit que c'était à la fin des diapos. Mais voilà. Voilà, donc bonjour, merci. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, quoi.